Salut tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un superbe tuto d'une magnifique plage. J'espère vraiment que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre petit like, petit défi 300 likes. Et n'hésitez pas vraiment à commenter et à partager et à vous abonner à la chaîne. Je reviens aussi également sur le fait, encore une fois désolé de me répéter, que j'ai fait une chaîne secondaire. Voilà, la chaîne secondaire se nomme Kardex 2.0 et elle sera dans la description si vous souhaitez aller vous abonner. En ce qui concerne la plage, vous pouvez voir vraiment qu'elle est très sympa, il y a vraiment beaucoup de détails. Vous voyez, on a des serviettes, on a des petits châteaux de sable, des parasols, on a la petite maison pour le maître nageur, voilà, on a un peu de végétation. Franchement, il y a énormément de détails sur cette plage, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai fait également la route ici, voilà, ça ce n'est pas dans le tuto, mais voilà, je vous le montre quand même, hein. Comme ça vous pouvez même la refaire si vous désirez, hein. C'est très facile à faire. En tout cas les amis, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, on se retrouve tout de suite pour faire le tuto. Alors voilà les amis, pour le tuto, nous allons avoir besoin des différents blocs que j'ai ici ci-dessous. Donc nous allons prendre le grès poli et la dalle de grès poli. En tout cas pour le moment, on va prendre uniquement ces deux blocs là. Alors pour le tuto, vous pouvez voir que moi j'ai déjà fait ici simplement la route en fait avec le bord ici, hein, afin de pouvoir faire notre plage ici sur le long, d'accord. Donc tout simplement, moi j'ai juste fait une route, hein. Si votre route est déjà faite, pas de souci. Il suffit juste de faire comme moi j'ai fait. Par exemple, moi j'ai fait une route ici de 7 blocs. Donc il y a 7 blocs de route. Puis on a 3 blocs de trottoir. Et puis on a tout simplement ce grand mur. Alors le mur, je vais vous dire à quelle hauteur il faut le placer. Du coup, là on est à la hauteur de l'eau. Et bien tout simplement, il faut placer un bloc. Enfin, alors je vais faire avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Donc il faut rajouter 6 blocs en hauteur à partir de la hauteur de l'eau. Hop, donc voilà, vous allez obtenir du coup un mur comme ça, donc vous pouvez prendre la pierre lisse, mais vous pouvez prendre également un autre bloc si vous le désirez, hein. Moi j'ai pris la pierre lisse parce que j'aime bien ce bloc. Du coup voilà, donc faites un mur comme ça avec 6 blocs en hauteur par rapport à l'eau, afin de faire la plage tout simplement comme cela, d'accord. Donc faites votre route également plus haut, hein, bien évidemment, comme ça. Donc quand vous avez fait votre mur à cette hauteur là et que vous avez votre eau qui est située en dessous, on va tout simplement prendre le grès poli. Alors moi oui, je prends le grès poli et je prends pas le sable, parce que grâce au grès poli, je peux également mettre des dalles de grès poli. D'accord, donc au moins ça nous fait un peu plus de détails, un peu plus de hauteur au niveau de la plage. Du coup on prend le grès poli, on va se placer au niveau de notre mur et on va se positionner au troisième bloc ici en partant du haut. 1, 2, 3, donc on se positionne là et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ensuite, on descend, on peut venir juste là, et là on va faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite on descend, on recommence ici encore une fois 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite on vient là, encore une fois 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on vient encore en dessous et on fait encore une fois 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous obtenons cela, donc ça nous fait une bande comme ça. Et tout simplement ce que vous allez pouvoir faire, donc là moi je fais une plage bien évidemment qui est droite, hein. Donc c'est vraiment une plage qui est assez droite et pas en courbe. Donc pour faire cela, vous allez tout simplement maintenant prendre les blocs qu'on l'on a placés et les placer sur le long jusque là-bas, donc jusqu'au mur là-bas pour nous. Et vous faites ça avec tous les blocs, hein, tout simplement. Vous venez d'un point ici et vous allez jusqu'au mur là-bas. Vous faites ça avec tous les blocs et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai donc terminé de faire voilà, toutes mes lignes de blocs, hein. Vous pouvez voir du coup qu'on obtient déjà un semblant de plage. Mais nous on va pas rester avec seulement ça. Vous voyez que c'est très droit, hein, donc c'est assez stylé, mais c'est pas encore comme moi je le souhaite. Du coup on va continuer avec nos grès polis. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va rajouter des petites courbes à quelques endroits afin vraiment de faire une plage qui est quand même beaucoup plus détaillé. Du coup on va par exemple venir sur la bande ici qui est en hauteur ici, et on va faire par exemple, regardez, je vous montre un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ça. Ensuite on peut venir ici, on peut par exemple faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis on peut venir là, on peut faire par exemple 1, 2, 3. Vous voyez, ça nous permet d'avoir des petites courbes au niveau de la plage. On va essayer de faire ça à plein d'endroits. Vous voyez, par exemple, ici également, regardez, hop, ici on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis ici, 1, 2, 3, vous voyez.
Là, on en fait une un peu plus petite. On va essayer de faire ça un peu partout pour éviter que la plage soit vraiment trop ligne, hein, comme ça, trop droite, on va dire. Du coup, je vous recommande de faire ça un peu partout. Moi, je vais mettre ça en coupé, hein, je vais le faire moi-même de mon côté. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit vraiment de faire des petites lignes comme ça un peu partout et ensuite juste refaire des lignes par-dessus afin vraiment d'éviter de faire toutes des lignes droites, hein, tout simplement. Du coup, vous allez faire ça partout sur la plage et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai donc terminé de faire mes petites courbes un peu partout. Hein. Vous pouvez voir quand même que le résultat est quand même beaucoup plus sympathique qu'avant. Hein. Franchement, c'est beaucoup moins droit au niveau des lignes. Hein. C'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. D'ailleurs, j'aurais même pu encore le faire ici. Hein. C'est vrai que je ne l'ai même pas fait, mais j'aurais encore pu le faire pour ici au niveau de l'eau. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même un peu plus sympa de le faire, hein, je trouve. En tout cas, c'est juste mon avis personnel. Après, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Hein. C'est vraiment votre map, hein, donc votre plage. Vous faites vraiment ce que vous aimez. Alors, je vais juste faire ça jusque-là quand même pour que ça soit un peu plus sympathique. Voilà, hop, hop, hop. Parfait. Du coup, une fois que vous avez donc terminé de faire ça, vous pouvez laisser votre plage comme cela, ou alors vous pouvez faire comme moi, c'est tout simplement prendre les dalles de grès poli et là encore ajouter un peu plus de détails. Donc tout simplement, on vient par exemple, et pour que la plage soit un peu moins haute, vous voyez, on peut tout simplement rajouter du petit détail comme ça avec la dalle, vous voyez, hop, comme ça. Ça permet vraiment que la plage soit un peu moins haute au niveau des cubes, hein. Ça permet vraiment de restreindre la hauteur. Du coup, moi, encore une fois, je vais faire ça tout seul de mon côté, tout simplement en mettant, voilà, des dalles un peu partout, comme ça, pour vraiment faire des niveaux un peu plus courts. Hop, vous voyez, je fais ça un peu comme ça, à l'arrache, hein, c'est vraiment comme cela. Du coup, voilà, je vais faire ça un peu partout, et on va tout simplement se retrouver une fois que j'aurai terminé de faire ça, on se retrouve tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai donc terminé de faire aussi donc tous ces petits détails avec les dalles, hein. Vous pouvez voir quand même que la plage est assez détaillée et franchement elle est vraiment très très cool. Alors si vous faites ça par exemple, on l'a fait sur un espace qui est quand même assez réduit, moi je vous recommande de faire ça quand même sur un espace qui est deux fois, trois fois plus grand que ce qu'on a fait là, hein. Ça va vraiment être un truc assez sympa si vous faites vraiment sur une grande largeur, une grande longueur. Du coup là, quand on a pu faire ça, maintenant on va tout simplement rendre encore plus détaillé notre plage. On va prendre tout simplement des serviettes. Du coup, pour faire les serviettes, rien de plus simple, on va prendre les tapis. Donc vous prenez les tapis que vous souhaitez, par exemple des tapis jaunes, des tapis rouges, des tapis cyan, des tapis bleus, voilà, un peu comme vous souhaitez. Et on va tout simplement faire des serviettes à chaque fois comme cela, regardez, hop, deux comme ça. Et on peut par exemple alterner les couleurs, hein, regardez, on peut faire ça comme ça, on fait ça à chaque endroit. Sur la plage, ne faites pas ça sur les dalles parce que au niveau des dalles, vous voyez que ça nous fait quelque chose d'assez spécial. Du coup, à chaque fois, les serviettes, il faut les faire à l'endroit où on a mis les grès. D'accord ? Donc, on fait ça toujours où on a mis les grès. Donc, vous en mettez un peu partout sur la plage et on va se retrouver tout de suite. Ok, parfait, les amis. Vous pouvez regarder. J'ai donc terminé de faire mes petites serviettes un peu partout sur la plage. Maintenant, on va faire quelques parasols à quelques endroits pour encore une fois détailler encore un peu plus notre plage. Du coup, par exemple, vous venez à côté des essuies, hop, vous allez faire 1, 2, 3 par exemple. Ensuite, vous prenez des dalles, n'importe lesquelles, celles que vous souhaitez, et vous allez tout simplement faire ici 9 dalles en carré. Donc, vous voyez, vous faites 9 dalles comme ça en carré et vous remettez une dalle au niveau du dessus et ça nous fait un petit parasol. Du coup, vous pouvez les faire plus grand, plus petit, c'est comme vous voulez. Ici, regardez, je vais en mettre un autre, voilà, comme cela, je vais mettre avec cette dalle-ci. Hop, voilà. En tout cas, je vais en faire quelques-uns sur la plage et on va se retrouver tout de suite. Ok les amis, une fois que vous avez terminé de faire les petits parasols, on va encore ajouter des détails. On va prendre maintenant quelques feuilles de chêne noir qu'on va placer voilà, à quelques endroits sur la plage. Pas de trop, sinon ça va être vraiment trop de feuilles. Du coup, on va en placer quelques-unes, voilà. Un peu partout sur la plage. Donc tac, ici par exemple, voilà, ici. Hop, et on va en placer une dernière par ici. Parfait. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant prendre les murets de grès et on va faire quelques petits châteaux de sable en mettant 4 murets comme cela, en carré, l'un à côté de l'autre. Du coup, on peut en faire quelques-uns sur la plage, hein, pour vraiment décorer celle-ci. Hop, voilà, par exemple ici. On va en faire un juste là. Et on va en faire un petit dernier par ici. Parfait. Quand on a fait ça, on peut maintenant prendre
Hop, on va pas prendre ça, on va prendre tout de suite. Alors, hop, je recherche. Tac, tac, tac. On va prendre les escaliers en andésite poli. On va pouvoir venir au niveau du mur hein, qu'on avait ici. Et là, tout simplement, à certains endroits, vous pouvez tout simplement faire une petite ouverture afin d'accéder directement depuis le trottoir à notre plage. Voilà. Vous pouvez faire ça où vous voulez, hein, du moment que ça permet vraiment d'accéder au trottoir. Donc, par exemple, on fait ça, voilà, ici. Donc, j'en ai fait un là, et on va en faire un petit dernier peut-être vers ici. Tac, comme ça, pourquoi pas. Je pense que c'est sympa comme ça. Hein. Donc voilà, moi ça permet vraiment d'avoir un accès depuis la route sur la plage. Quand c'est fait, pour terminer le tuto, on va pouvoir faire une petite cabane où par exemple on a les maîtres nageurs qui peuvent avoir une vue sur la mer, hein, tout simplement pour voir s'il n'y a pas des gens qui se noient. Du coup, on va prendre les clôtures en bouleau, on va venir à un endroit sur la plage, n'importe lequel. Voilà, par exemple, je vais venir ici. On va faire 1, 2, puis on va laisser. Hop, 3 blocs d'espace et on recommence. Donc on laisse ici 3 blocs d'espace. Là pareil, on laisse ici par exemple 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Tac. Et là on relaisse du coup 3 blocs entre là et là. Voilà, donc 2 en bloc en hauteur. Ensuite on prend les dalles de quartz. On va pouvoir faire ici 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Ensuite on les relie par le haut. Voilà, comme ça. Tac, on peut clôturer ici, enfin pas clôturer, mais remplir au niveau du sol, comme cela. D'accord. Ensuite, on va prendre des vitres teintées en noir. On va pouvoir en placer ici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici devant. Au niveau de l'arrière, on va reprendre les dalles de quartz. On va faire 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça. On peut même encore monter de une dalle. Et ensuite, on peut tout simplement faire ça comme ça. D'accord? Donc, on obtient cela. Par l'arrière, on prend toujours les dalles. Et on va venir. Hop, alors attendez. On prend les dalles, on va faire ici comme ça. Ensuite, ici, on peut encore remplir. Comme cela. Et ensuite, on fait. Hop, comme ça. Et là, hop, au niveau du haut. Du coup, ça nous fait comme ça. Et là, on peut faire 1, 2, 1, 2. On laisse juste deux petits trous comme ça. Au niveau de l'intérieur, ici, on peut par exemple mettre ici un petit siège hein, pour regarder tout simplement la plage. Et on va simplement faire aussi une échelle, par exemple. On peut la faire juste ici. Donc, tac, on peut faire ça. Voilà, et on peut mettre une petite échelle afin d'accéder à notre petite maison. Voilà, hop. Tac, parfait. Du coup, voilà, on peut accéder ici et là, tout simplement. On peut également rajouter des petits détails, par exemple, en mettant, voilà, une trappe. Alors, si j'arrive à bien la mettre, bien évidemment. Comme cela et comme cela. Parfait, et je pense que là, on n'est pas trop mal, hein, les amis. On peut toujours rajouter un peu plus de détails en faisant comme ça, hop, par ici et par ici. Et je pense qu'on est pas mal. Vraiment, je pense qu'on a terminé le tuto, hein. Je pense n'avoir rien oublié dans le tuto. En tout cas, si j'ai oublié un petit détail, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et également, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de chacune de mes prochaines vidéos. Les amis, c'était Kardex. On se retrouve assez vite pour de prochains tutos et de prochaines vidéos. Salut à tous!